Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie le Piaggio MP3 500 HPE Sport Advance, le premier scooter 3 roues équipé de la marche arrière. Rien que ça. Avec une offre exceptionnelle en location longue durée. Alors, celle-ci, c'est tout simplement la moins chère que vous pourrez trouver actuellement sur le marché en France, en location longue durée, sur un Piaggio MP3 Sport Advance. Il y a aussi une offre encore moins chère. Il faudra attendre quelques minutes dans la vidéo, vous verrez en milieu de vidéo, on va vous en parler sur la version sport, qui est la version juste en dessous. Donc si vous voulez d'ores et déjà bénéficier de cette offre, bah, cliquez sur le lien qu'on vous a mis en dessous de la vidéo et remplissez le formulaire jusqu'au bout. Et ensuite, un des commerciaux de Urgent Scooter vous contactera dans les plus brefs délais. Sachez qu'on réalise cette vidéo grâce à Urgent Scooter, donc c'est pas moins de 8 concessions de scooters en Ile-de-France qui vous proposent donc des Piaggio, mais aussi des Vespa et la marque Moto Guzzi et Aprilia. On vous a mis leurs coordonnées en description de la vidéo et on a récupéré ce Piaggio MP3 500 à la concession Urgent Scooter de Saint-Cloud dans le 16e à Paris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, sa fiche technique et puis on ira faire un tour sur la route et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis sur YouTube, c'est chaque semaine, on vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram Le Vendeur Automobile. Et d'ailleurs sur Instagram, on vous propose du contenu exclusif. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Allez, c'est parti. Pour le coup, je vais partir encore en marche arrière. C'était en 2006 que Piaggio révolutionnait le monde du scooter. Il y a maintenant 15 ans, avec le lancement de son Piaggio MP3, un scooter 3 roues, 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière. Concept très novateur avec ce système de parallélogramme sur les roues avant qui permet au scooter de s'incliner comme une moto pour améliorer sa stabilité et son agilité dans les virages. Et puis surtout, Piaggio précisait à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas, que les distances de freinage, elles sont diminuées de 20% grâce à ce système par rapport à un scooter traditionnel équipé de l'ABS. Un système très ingénieux dénommé Roll Lock qui va bloquer le parallélogramme lorsque vous arrivez à un feu rouge par exemple. Donc ça, ça vous évite d'avoir à sortir votre pied droit ou gauche pour stabiliser le scooter à basse vitesse. Donc ça, ça marche à l'arrêt mais aussi au ralenti lorsque vous approchez d'un feu rouge. Et bien sûr, lorsque vous accélérez, le Roll Lock va se débloquer et là, vous pourrez remettre sur l'angle votre scooter assez facilement. Initialement, le MP3 était proposé en 125, 250 et 400 cm3, mais à partir de 2008, Piaggio lance en France les versions LT pour Large Tread, donc c'est voie élargie si vous préférez. Alors pourquoi ils lancent ça? Ça leur permet de classer le Piaggio MP3 LT dans la catégorie des tricycles à moteur en élargissant les voies avant de 45 mm et en ajoutant un frein au pied, qui est un frein couplé en fait avant et arrière. Donc tous les détenteurs du permis auto peuvent maintenant, sans avoir le permis moto, accéder à des cylindrées supérieurs à 125 cm3. C'est pour ça qu'on verra apparaître les versions 400 mais aussi 500 cm3. Les chiffres sont sans appel, plus de 11 000 unités du Piaggio MP3 400 Large Tread sont vendues contre 3 000 unités pour les versions standard. En 2011, c'est le lancement de la version 500 cm3 qui emprunte le moteur du Gilera Fuoco 500. Et à partir de 2014, il y a un léger relifting du MP3 avec l'apparition de série de l'ASR, c'est l'antipatinage, mais aussi de l'ABS. En 2018, c'est l'arrivée d'une nouvelle version du 500 cm3 avec une puissance qui passe de 38 à 44 chevaux, c'est-à-dire presque autant qu'un T-Max de chez Yamaha de dernière génération. Et en 2019, petite révolution, on voit l'apparition sur le Piaggio MP3 500 HPE Sport Advance de la marche arrière qui permet au MP3 de remonter des pentes en marche arrière avec une inclinaison de 18 degrés. C'est vrai que c'est un scooter qui, en 15 ans d'existence, a su vraiment innover pour à chaque fois marquer le pas par rapport à sa concurrence et ça se voit sur les chiffres de vente, c'est juste un énorme succès pour la marque Piaggio. Commençons par la face avant, une bulle fixe légèrement fumée avec en son centre une entrée d'air qui permet d'améliorer l'aérodynamisme, des projecteurs à feu diurne DRL à technologie LED qui sont séparés par cette partie en imitation fibre de carbone et puis on a ces clignotants qui ne sont pas intégrés à la carrosserie. Juste en dessous des projecteurs,
cet entrée-d'air avec le logo Piaggio. Juste derrière, vous avez le radiateur de refroidissement. Et puis juste en dessous de cette entrée d'air, toute la partie que vous voyez ici est en plastique. Sur les suspensions avant, on a un parallélogramme qui est articulé avec une course de 85 mm et un système électro-hydraulique du blocage de suspension avec des ressorts de couleur rouge. Des jantes en alliage noir avec le marquage MP3 rouge, 13 pouces sur l'avant, 14 pouces sur l'arrière. Au niveau du système de freinage, on a un double disque hydraulique à l'avant de 258 mm avec des disques à profil wave. Et on a un freinage bien sûr ABS qui est couplé. Et sur l'arrière, on a un simple disque hydraulique de 240 mm. Concernant l'avant, vous avez des garde-boue sur les deux roues en plastique dur ainsi que des élargisseurs d'ailes, eux aussi en plastique dur. Beaucoup d'éléments en rouge, que ce soit les surpiqûres sur la selle, vous avez aussi sur le logo 500 HPE, logo MP3 et même le ressort sur la suspension arrière, tout comme d'ailleurs le ressort à l'avant. Au niveau des teintes de carrosserie, vous avez 4 teintes qui sont proposées sur la version Sport et 4 coloris qui sont proposés sur la version Sport Advance. Un cadre à double berceau en tube d'acier haute résistance. On a les parties basses ici qui sont peintes en couleur carrosserie. Une surface antidérapante pour les pieds du conducteur avec, juste ici, vous l'avez peut-être remarqué, le frein couplé au pied. Donc ça permet de freiner aussi bien l'avant que l'arrière de votre scooter. Pour le passager à l'arrière, on a ces cale-pieds qui sont amovibles. Vous pouvez en option ajouter un échappement à Krapovic avec un embout en fibre de carbone avec une sonorité vraiment super sympa pour un scooter. Alors bien évidemment, les chicanes sont dans l'échappement, hein, parce que vous n'avez pas le droit de les enlever. Hein. Attention quand même à la législation, mais le bruit déjà d'origine, même avec les chicanes, est super sympa. Une suspension arrière Kayaba à double amortisseur à gaz, avec un réglage micrométrique de la pré-contrainte du ressort, qui est de couleur rouge, comme je vous l'indiquais. Ça permet une meilleure traction et une stabilité accrue. Sur les jantes, jantes en alliage, bien évidemment, de 14 pouces. Une selle à double dosseret qui est très confortable, avec des surpiqûres rouges. Et une partie technique qui ressemble à de l'Alcantara. On a deux poignées de maintien pour le passager arrière, qui sont de couleur noire, assez ergonomique. Un porte-top case, et vous pouvez même en option ajouter des valises latérales. Sur la partie arrière, on a l'embossage Piaggio sur le dosseret du siège passager. Sur le top case, vous pouvez donc ajouter en option un top case d'une capacité de 50 litres, dans lequel vous pourrez facilement mettre deux casques intégraux. Signature lumineuse à LED, l'inscription Sport Advance qui est juste ici. On a les clignotants qui sont déportés du support de plaque. Et une des spécificités des tricycles à moteur, c'est que sur le support de plaque, à l'arrière, vous devez avoir deux éclairages. Ce n'est pas le cas sur une moto, puisque sur une moto, un seul éclairage suffit pour éclairer votre plaque d'immatriculation. Pour ouvrir le coffre, c'est assez simple, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'appuyer sur le bouton qui est situé en dessous du guidon pour déverrouiller ce coffre, ou sinon, via votre clé de contact, de cette manière. Un coffre qui vous permet de ranger deux casques, un sac ou sinon un ordinateur sans aucun souci, même un grand ordinateur, vous n'aurez pas de problème. Vous avez un revêtement sur le fond de ce rangement, ça c'est bien pratique, et surtout une lampe pour éclairer le contenant de votre coffre. En tout cas sur la place, c'est vrai que c'est une vraie problématique, l'espace de chargement sur ce type de véhicule, et là le MP3 fait un sans faute. Au niveau de ses dimensions, ce qui est vraiment à retenir, c'est sa largeur, 800 mm en largeur. On est proche hein, de grosses motos au niveau de ses dimensions. Et sur son poids, 275 kg tout plein fait sur la balance, ce qui est quand même relativement élevé, hein, il faut le reconnaître. Sachez qu'une moto, un roadster par exemple, va peser entre 200 et 220 kg. Une routière, on va être plus entre 230 et 260 kg. À sec, hein, je parle vraiment de poids à vide, sans les pleins. Donc on va se rapprocher des 275 kg avec les pleins d'un MP3 500. Mais ce qui compense cette masse, c'est son moteur. On a un monocylindre de 500 cm3 qui développe 44 chevaux pour 47 Nm de couple. Et dans les centres-villes, en fait, vous avez le couple moteur qui compense très largement le poids. Et on arrive assez logiquement à se faufiler entre les voitures. Une injection électronique, un accélérateur électronique à double cartographie ride-by-wire, une boîte de vitesse à variateur automatique CVT, avec avertisseur de couple, et surtout sur les versions Sport Advance, comme celle que j'essaye aujourd'hui, vous avez la marche arrière, comme sur les Honda Goldwing. Alors la marche arrière dans le deux roues, c'est vrai que c'est extrêmement rare de le trouver. Sur les motos traditionnelles, on ne le trouve que sur des motos à plus de 25 ou 30 000 euros, mais sur les scooters, à ma connaissance, c'est le seul modèle qui aujourd'hui en 2021 en France le propose.
Au niveau de sa consommation, elle est annoncée à environ 4 litres au 100 km. Moi, j'ai constaté sur mes 300 km d'essai, environ 5,5 à 6 litres de consommation moyenne en rythme assez coulé. Après, c'est comme une moto ou une voiture. Si vous accélérez et vous êtes tout le temps à fond, là, vous allez peut-être monter à 7 ou 8 litres au 100 km. Mais avec une conduite raisonnable, on va être aux alentours des 5 à 6 litres au 100. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter, bien sûr, le MP3500 Sport Advance avec la marche arrière, mais surtout pour partager avec vous une offre hyper intéressante. Vous le savez, on ne vous présente pas des offres pas intéressantes sur notre chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. Donc déjà, si vous optez pour un achat comptant, il y a une réduction de 1000 euros si vous passez par notre intermédiaire chez Urgent Scooter. Donc le scooter passe de 10 999 à 9 999 euros. Là encore, c'est une promotion qu'on peut trouver chez certains concessionnaires. Mais là où c'est très intéressant, c'est sur la location longue durée. Et celle-ci, c'est la moins chère qu'on ait trouvée avec Romain actuellement en France. Écoutez bien, sur la version MP3500 Sport Advance avec la marche arrière, qui est la plus haut de gamme aujourd'hui disponible dans le catalogue du constructeur, en location longue durée sur 36 mois avec 20 000 km sur 3 ans, donc 20 000 sur 3 ans, hein, pas par an, hein, je tiens à le préciser, sans apport, il sort à 196 euros par mois TTC. Hors frais de mise en route et hors frais d'immatriculation, bien évidemment, mais ce n'est pas très élevé sur ce type de véhicule. Si vous souhaitez ajouter l'entretien, et l'entretien, je vais y revenir dans quelques minutes, hein, vous allez voir que c'est plus intéressant de prendre l'entretien dans son contrat de location longue durée que de le prendre à part. L'entretien, ce sera 29 euros par mois. Donc, si vous souhaitez ce scooter avec l'entretien en location longue durée sur 3 ans, ça vous en coûtera 225 euros par mois. Et sachez qu'il y a une garantie de 2 ans qui est incluse. C'est tout simplement l'offre la moins chère qu'on ait trouvée. Si vous souhaitez la version 500 Sport du MP3, donc c'est la version juste en dessous de celle que je vous présente aujourd'hui, en location longue durée, là ça sort à 158 euros TTC par mois sans apport, avec la même garantie, hors frais de mise en route et hors frais d'immatriculation, avec le même kilométrage, bien sûr, la même durée. Et si vous souhaitez avoir l'entretien qui est inclus dans votre financement, il faudra ajouter 29 euros par mois. Si une de ces offres vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout et un des commerciaux de chez Urgent Scooter vous contactera dans les plus brefs délais. Encore une fois, je tiens à vous préciser, on ne fait pas des vidéos avec Romain dans lesquelles on a des offres qui ne sont pas intéressantes pour vous. On a été contacté par beaucoup de concessionnaires Piaggio. Et à chaque fois, il y avait des offres qui étaient assez intéressantes, mais pas assez intéressantes pour vous faire une vidéo et vous la présenter. Et là, Urgent Scooter nous a fait une offre super compétitive qui est aujourd'hui, actuellement sur le marché, la plus intéressante qu'on ait trouvée avec Romain. Si en ce moment, il y a une offre à laquelle il faut souscrire, si vous souhaitez acheter un Piaggio MP3500, c'est bien celle-ci. C'est la moins chère, tout simplement. Sur l'entretien, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment intéressant de l'inclure dans le financement. Donc les fameux 29 euros par mois à ajouter au loyer que je viens de vous indiquer. Pourquoi ? Ce qu'on a fait avec Romain, on a listé le coût de chaque entretien à faire sur une période de 36 mois si vous faites 20 000 km avec votre MP3 500 cm3. Ces informations, elles proviennent d'un concessionnaire Piaggio, donc elles sont très fiables. La révision des 1000 km, elle va vous coûter exactement 139 euros. À 5 000 km, 115 euros. À 10 000 km, 459 euros. À 15 000 km, 115, encore une fois. Et à 20 000 km, 459 euros. Ça vous fait un total de 1287 euros. Ça, c'est si vous optez pour faire vous-même l'entretien aux intervalles qui sont conseillés par le constructeur. Mais si vous prenez les 29 euros par mois, bah, lissé sur 36 mois, ça vous fera exactement 1044 euros. Donc vous aurez fait une économie de 243 euros et en plus, vous avez les plaquettes de frein qui sont incluses dans les 29 euros par mois. Ce qui n'est pas le cas si vous optez pour les révisions et que vous allez vous-même payer à chaque intervalle d'entretien. Là, ce sera hors pneumatique et hors plaquettes de frein. Donc il y a un véritable intérêt financièrement à opter pour l'entretien de 29 euros par mois dans votre location longue durée. Sur le guide, on a pas mal d'éléments à vous montrer. Déjà sur la partie droite, commode de droite, avec cette commande, vous pourrez enclencher le blocage du parallélogramme à l'avant. Donc ça vous permettra de ne pas avoir à poser votre pied à droite ou à gauche de ce tricycle à moteur. Ça, c'est cette commande. Ensuite, les boutons mode, ça vous permet de changer les affichages sur l'écran d'instrumentation
Là, vous mettrez le contact avec cette commande. Poignée chauffante, ça vous pouvez les avoir. Également, le chauffage au niveau du tablier est disponible. L'ASR, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là vous pourrez déverrouiller la selle. Et ici, et ça c'est uniquement disponible sur la version Sport Advance, vous pourrez enclencher la marche arrière. Alors la marche arrière, comment elle fonctionne? On met le contact, on enclenche le R, et ensuite on appuie sur la commande pour mettre le moteur en marche, et le scooter va reculer. Et vous avez un signal en plus de ça, je vais couper, et on a un signal qui indique que le véhicule est en train de faire une manœuvre en marche arrière. Ça, c'est vraiment super pratique. Je vous le rappelle, en 275 kg sur la balance, je vous assure que quand vous garez votre MP3 500 sur un faux plat, dans le mauvais sens, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait à ce modèle, et ça en fait maintenant un véhicule qui frôle la perfection. En tout cas pour son utilisation en zone urbaine et périurbaine. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux versions Sport Advance. On a des finitions en imitation fibre de carbone, aussi sur le tunnel central, avec ici l'accès au réservoir de carburant qui a une contenance de 13,2 litres. Sur la partie gauche, tout ce qui a trait au réglage de vos phares, les clignotants, les warnings, ici que vous pourrez enclencher. Sinon, on reste sur un MP3 comme vous avez pu en connaître dans les précédentes années. L'affichage est hyper simple, peut-être un petit peu trop simple. Moi, ça m'a un peu déçu sur un véhicule de 2021, je vous avouerai. Après, en scooter, on passe moins de temps que sur une voiture à naviguer dans l'écran d'instrumentation ou dans son système d'infodivertissement. C'est bien assez. Quand on regarde les fonctionnalités qui sont affichées, elles sont largement suffisantes. Je pense que la prochaine génération de MP3 500 verra apparaître un écran LCD, par exemple, qui sera beaucoup plus large et qui inclura non seulement les informations sur votre trip, votre consommation, le kilométrage total, etc., mais aussi le compteur de vitesse et le compte tour, ainsi que la jauge de carburant de votre véhicule. Enfin, et pour finir, vous avez un petit rangement juste en haut dans lequel vous pourrez facilement ranger un portefeuille, des clés, un bip de parking sans aucun souci. La protection est bonne. Elle est bonne pour une utilisation en zone urbaine, encore une fois. Si vous faites de l'autoroute assez régulièrement, je vous invite à prendre une bulle beaucoup plus grande et large. Elle fait bien le boulot jusqu'à 80-90 km/h. Au-delà, c'est vrai qu'on a, si vous êtes grand surtout, on a des perturbations d'air au niveau du haut du casque. Donc il faudra partir sur une bulle un tout petit peu plus haute. Sur l'assise est bonne. Ça déroge pas à la règle. Sur les anciens MP3, on était déjà très bien assis. Et ce qui est très bien sur ces véhicules, c'est l'assise passager. Les passagers, à chaque fois, vous diront qu'ils sont super bien accueillis à l'arrière de ce scooter. Et ça ravira plus d'une personne. Maintenant à l'essai routier de ce Piaggio MP3 Advance. Alors, premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr son parallélogramme qui lui permet d'avoir ses fameuses deux roues à l'avant. Alors, c'est pas là que pour étayer sa fiche technique, vous vous en doutez, c'est là surtout pour améliorer son agilité. Sachez que ce parallélogramme, au-delà d'un apport d'une agilité accrue, il autorise un dénivelé de 20 cm entre chacune des roues avant. Alors ça bénéficie surtout sur la prise d'angle, puisque vous pouvez avoir une prise d'angle de l'ordre de 40% avec un MP3, contre 35% sur un scooter traditionnel. Donc en virage, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Quand vous attaquez un petit peu, au début, on est décontenancé parce qu'on a l'impression de monter sur un pachyderme. Et en fait, pas du tout. Il y a une véritable possibilité de mettre de l'angle lorsque vous conduisez ce scooter. Alors ça, c'est le premier avantage. Le fait d'avoir deux pneus à l'avant, ça augmente la surface de contact au sol de 25%. Donc en augmentant cette surface de contact,
Et avec le système de freinage performant dont je vous ai parlé tout à l'heure, les distances de freinage sont raccourcies. Et elles sont raccourcies de manière importante. J'ai testé sur plusieurs freinages d'urgence. On s'en rend compte immédiatement. Piaggio indique qu'à 100 km/h, avec un Piaggio MP3500, on s'arrête environ 28 mètres, contre 37 mètres sur un scooter traditionnel, qui n'est pas équipé de cette technologie. Donc on a vraiment un gain en termes de sécurité, hein, donc sur la prise d'angle, la surface de contact avec le sol. En cas de perte d'adhérence, c'est vrai qu'il va être très difficile de perdre l'avant, et puis on a les distances de freinage raccourcies, donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Autre point important, c'est le roll lock, hein, le roll lock qui va vous permettre, avec la petite commande qui est juste ici, en fait, de freiner. Je vais vous faire la démonstration dans quelques mètres. D'arriver lorsque vous freinez à, par exemple, une intersection, un feu rouge, et de ne pas avoir à poser vos pieds au sol pour maintenir le véhicule en équilibre. Je vais vous faire une démonstration du roll lock. J'arrive à un passage clouté. Et là, je l'enclenche. Et là, par exemple, j'ai pas besoin de poser mes pieds au sol. Donc là, j'ai juste à réaccélérer. Et une fois que je vais réaccélérer, le roll lock se débloque. Et là, je peux enfin continuer ma route. Ça, c'est super pratique, surtout quand il fait froid, quand vous avez les jambes dans un tablier qui est chauffant, hein, grâce à une commande qui est juste ici, sous le guidon. Et c'est aussi pratique lorsqu'il pleut. Vous ne mouillerez pas votre pantalon, par exemple, ou votre jean. Deuxième élément dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr sa boîte CVT. Donc c'est une boîte de vitesse à variation continue. CVT, ça signifie Continuous Variation Transmission. Alors, la différence par rapport à une boîte automatique traditionnelle, c'est qu'elle n'a pas de palier d'étagement. Donc en fait, vous n'avez pas cette sensation d'un passage de rapport, comme sur une boîte automatique ou une boîte à double embrayage DSG par exemple. La contrepartie, c'est qu'on a une sensation de patinage à basse vitesse, mais ça c'est normal, hein, c'est ce qu'on retrouve sur quasi tous les scooters. Mais le gros avantage, c'est que vous n'avez pas de vitesse à passer, donc vous êtes en mode full automatique, c'est on-off, hein, c'est j'avance et je m'arrête, je freine, et puis on a la marche arrière en plus sur ce modèle Advance. Alors encore une fois, l'avantage de cette boîte CVT, alors c'est des boîtes de vitesse très utilisées, hein, sur les scooters, c'est que pour une personne qui n'a pas envie de passer son permis moto et qui souhaite avoir un véhicule qui lui permet de prendre l'autoroute, de faire des trajets hors des villes, hors des zones urbaines et périurbaines, ben, ça permet un accès facile aux deux roues et surtout ça vous permettra d'évoluer en toute sécurité, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir de la puissance lorsqu'on est sur voie rapide, c'est un gage de sécurité. Troisième équipement qui améliore aussi cette sensation de sécurité, c'est la présence de série de l'ASR. L'ASR, ça signifie Anti-Slip Regulation, c'est un système anti-patinage qui va en fait réguler le couple en fonction de la perte d'adhérence qu'il va calculer. Donc c'est très simple, hein. Si vous êtes par exemple sur une chaussée glissante, vous êtes sur de la terre et vous accélérez, si ce système estime que la roue va entraîner un patinage excessif et peut-être une chute, là, à ce moment-là, le contrôle du couple va arrêter la transmission de puissance à la roue arrière. Et à ce moment-là, votre roue arrière va arrêter de motricer. Donc vous aurez très peu de chances de tomber. Et sur un véhicule qui pèse 275 kg, c'est pas trop. Je vous assure, surtout sur chaussée humide. La position de conduite. Sur la position de conduite, toutes les commandes tombent très bien sous la main. Même pour les grands gabarits, moi je m'attendais vraiment à pas être très bien assis sur ce scooter, et en fait pas du tout. Au niveau de la bulle, moi je prendrais une bulle un petit peu plus grande, parce qu'elle protège vraiment jusqu'au niveau du cou, et pour les personnes de plus de 1m80, 1m85, je vous conseillerais vivement d'opter pour une bulle beaucoup plus grande et peut-être plus large, pour avoir une protection totale du buste et aussi d'une bonne partie de la tête. Autre élément assez souvent critiqué sur les scooters, c'est la présence du poste de conduite qui est trop proche des genoux. Et là, en fait, sur ce scooter, vous pouvez le constater, on a des petites protections qui sont en fait moussées. Et donc même sur des gros freinages, vous avez vos genoux qui vont venir peut-être taper un petit peu. Mais comme c'est mou, vous avez vraiment aucune chance de vous blesser sur des freinages tardifs ou d'urgence.
Ça aussi, c'est un excellent point. Les rétroviseurs sont bien placés. Même dans l'interfile, on n'a vraiment pas peur de s'insérer entre les voitures. Ça aussi, c'est un excellent point. On n'a pas des rétroviseurs qui sont complètement déportés sur l'avant du carénage du véhicule. Comme ce sont des véhicules qui sont essentiellement utilisés dans les centres-villes, Piaggio a visé dans le mille. Sur les suspensions, ce que j'ai noté, c'est qu'on a vraiment un bon retour d'infos. Alors bien sûr, 275 kg, quand vous arrivez sur des routes assez dégradées comme celle sur laquelle je roule actuellement, faut pas arriver vite. Pareil sur les dodanes, hein, il faut les prendre à une vitesse, on va dire, stabilisée. On n'a pas une suspension qui est ferme, hein, j'irai pas jusque là, mais on sent que c'est une suspension qui est faite pour le grand tourisme plutôt que pour le sport. Là par exemple, vous le voyez, sur des petites bouches d'égout, le scooter bouge un petit peu, encore une fois, bam. Mais on peut facilement faire des passages en courbe à vitesse assez élevée, sans avoir des remontées d'informations malvenues dans le bas du dos. Donc sur les suspensions, moi j'ai trouvé qu'elles étaient plutôt bonnes, mais attention de ne pas tenir des rythmes trop soutenus et dynamiques. Sur le freinage. Alors sur le freinage, on a cette fameuse pédale au pied, qui est pour moi, bien sûr, plus qu'un gadget. Alors même si pour passer en tricycle à moteur, c'est nécessaire, il faut le savoir, vous êtes obligé d'avoir cette pédale. Donc c'est un freinage couplé qui sert dans les faits pas à grand chose. Moi qui suis motard, je m'en suis servi qu'une fois ou deux pour tester l'efficacité de ce freinage au pied. À la limite que ça ne serve pas trop, bon, c'est vrai que c'est pas très grave, mais le seul problème c'est que ça prend de la place au niveau de l'emplacement de votre pied droit. Et ça c'est dommage, donc on a toujours un petit décalage, on a une position avec le pied gauche qui est un tout petit peu en avance par rapport au pied droit, ça c'est dommage. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça, mais il faut quand même le noter. Sur les performances. Alors les performances, bien que ce soit un 500 cm3, regardez comment ça se penche, hein, c'est assez étonnant. Hein. Bien que ce soit un 500 cm3, dont la puissance est passée de 38 à 44 chevaux, on est proche de la puissance d'un T-Max, hein, c'est assez impressionnant. Le seul petit hic, c'est qu'on a 275 kg à mouvoir avec ses 44 chevaux. Donc c'est vrai que le scooter réagit très bien, il relance très bien, jusqu'à des vitesses de 120-130. À partir de 120-130, c'est vrai que la capacité de reprise du scooter est affaiblie, puisqu'on pointe à environ 150 km/h, 160 en vitesse de pointe. Ce qui est bien assez, encore une fois, hein, pour faire des trajets urbains, hyper-urbains, et même un petit peu d'autoroute de temps en temps, ou même de l'autoroute tous les jours, hein, vous n'aurez pas de problème à le faire. Alors les performances, pour son utilisation, pour sa philosophie, je trouve qu'elles sont amplement suffisantes et ce serait même de trop de proposer sur une telle machine un moteur de 600 cm3 avec peut-être 60 ou 70 chevaux. Par rapport à la philosophie du véhicule, c'est-à-dire un véhicule qui peut être utilitaire avec une vocation de duo, qui est quand même évidente, et puis surtout avec beaucoup de sécurité, c'est amplement suffisant. Je vais vous faire quand même un petit test d'accélération en 0 à 100 et on va voir ce que ça donne. Donc je m'arrête et là je vais accélérer à fond. Allez, c'est parti, et mon monteur vous indiquera le temps que j'ai réalisé de 0 à 100. 100 km/h. Voilà, c'est assez rapide quand même, hein. On est sur des performances d'une petite sportive, une petite compacte sportive, avec la facilité d'utilisation d'une moto. Je trouve que c'est un véhicule assez étonnant. Je vais être honnête avec vous, en termes d'agilité, de dynamisme et de freinage, je ne m'attendais pas à ce que le MP3 soit aussi efficace. Parce que quand je vois les personnes rouler avec ce genre d'engin, ils vont jamais très vite. Ils sont assez prudents d'ailleurs, les conducteurs de MP3. Et je m'attendais à un comportement routier vraiment lourd, avec un train avant pas du tout incisif. Et puis surtout l'impossibilité d'attaquer fort, puisque j'étais quasi persuadé que j'allais pas pouvoir me pencher. Et en fait, on peut se pencher avec un... Regardez un petit peu, hein. Là je vais bien me pencher dans le virage. Voilà. Ah, c'est assez étonnant.
C'est assez étonnant et je trouve que la cible de clients sur ce type de véhicule, ce ne sont pas des motards, ce sont des automobilistes qui souhaitent justement profiter de la facilité de circulation d'un deux roues en ayant la puissance, quasi la puissance d'une moto avec une cylindrée importante. Et surtout, comme ils n'ont pas d'expérience en moto, ils veulent beaucoup de sécurité. Et c'est ce qu'il apporte. C'est pas seulement trois roues pour avoir le passage en tricycle à moteur. Piaggio est allé beaucoup plus loin que ça, puisqu'ils y ont apporté des technologies qui améliorent le comportement routier de cet engin et surtout le place devant en termes de sécurité d'un scooter classique. C'est là où Piaggio a vraiment frappé fort dans le segment. En tout cas, une machine assez étonnante, très sécurisante et au prix auquel on a réussi à vous le négocier avec Romain, je pense que pour ceux qui hésitent encore à passer aux deux roues et qui n'ont pas le permis moto, la question est vite répondue. Il faut maintenant conclure l'essai de ce Piaggio MP3 500 HPE Advance après 300 km à son guidon. Sur ses défauts, ce que j'ai retenu, c'est un écran d'instrumentation un petit peu trop simple. On a un poids conséquent avec 275 kg sur la balance tout plein fait. Une pédale de frein au pied que j'ai trouvé un petit peu encombrante et l'absence de key let's go. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup, beaucoup de qualité. Déjà un moteur très volontaire. Une tenue de route vraiment sécurisante. On a un espace sous la selle qui est assez conséquent et généreux. Et enfin, et pour finir, une marche arrière bien pratique dans les manœuvres. Si ce véhicule vous intéresse, je vous rappelle qu'on a mis en place une offre avec Urgence Scooter en location longue durée sur les versions Advance, mais aussi sur les versions Sport, avec un tarif juste imbattable puisque c'est le moins cher actuellement en France en location longue durée. Donc cliquez sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, remplissez le formulaire et ensuite un des commerciaux de Urgence Scooter vous contactera dans les plus brefs délais. Les amis, sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil, sur Instagram, on y diffuse du contenu exclusif, donc abonnez-vous également. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao !